suis née avec ce rêve, je crois. D'avoir une ferme. D'avoir une ferme. Avec tout plein d'aliments. Et puis faire tout ce que j'ai besoin moi-même. Ça, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Quand on grandit dans une famille qui n'est pas paysan, et puis en plus une femme, qui veut, une fille qui veut avoir une ferme et puis qui veut faire le paysan, en fait, ça, c'était pour moi un rêve qui n'était pas réaliste. Quand j'étais enfant, c'était comme des autres. Je voulais devenir princesse, moi je voulais devenir agricultrice. Quand j'avais 18 ans, tout d'un coup, j'ai remarqué, mais en fait, je suis libre, je suis maître de ma vie. Si vraiment je veux devenir agricultrice, je peux le faire. J'adore ce travail. J'ai quitté le gymnase et puis je suis allée travailler sur une ferme. J'étais employée pour 4 ans là-bas. Quand j'ai repris ici l'affaire, moi j'avais 22 ans. Je me sens très unie avec tous les paysans. Parce qu'on partage la même vie, quand même. Nous, on a tout ramassé notre foin et on n'en a que 40%. La moitié. 40, ouais. 40%. Moi, je dirais aussi. Et maintenant, c'est bourré de souris partout. C'est nous avec ça qu'on a la même chose. Plus, non, nous, on a plus de souris là que l'année passée. C'est vrai? Non, moi pas. Mais moi, c'est la même chose environ. Je crois que c'est fini. Moi, je crois que c'est fini. Ouais, y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup de... à la joue, ça fait 3 ans qu'ils sont dans la pointe des souris. Reprendre une ferme à 22 ans, ça serait aussi très jeune pour un garçon. Alors que c'est une fille, ça, ils n'ont encore jamais entendu. En plus, elle fait bio, alors ça, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas trop non plus. Puis en plus, avec ces vaches bizarres, qu'on ne connaissait pas du tout ici non plus. Et puis en plus, la plus vieille vache avait le même âge que moi, alors ça, c'était de toute façon... ça, c'était de toute façon la folie pour les autres paysans. Mais il y en a qui m'ont très vite accepté depuis le début, en fait, et puis qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup montré, qui m'ont énormément appris. Trouver une ferme à louer, ça c'est un truc presque, je pense, impossible. J'avais énormément de la chance. Quelquefois, je rêve d'une ferme où j'en suis propriétaire, mais je suis aussi très contente avec une location.
Quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'argent pour tout ce qu'il faut acheter. J'avais pas vraiment le droit d'un crédit. J'avais pas fait l'apprentissage agricultrice. J'avais autrement pas de soutien avec les finances. Et puis, alors j'ai dû aller travailler la nuit pour faire l'argent. J'étais veilleuse dans un homme pour des personnes âgées. Mais en même temps, j'étais tellement plein d'énergie que c'était absolument pas de problème pour moi, tout ce travail. J'étais très contente que ce rêve se réalise déjà. Normalement, j'ai assez de fourrage, mais maintenant, cette année, on a tellement des souris qui ont fait un énorme dégât. Là, cette année, c'est grave. Oui. Cette année, on n'a pas du tout beaucoup de foin. De tout, ça dépend de la survie de la ferme et de ma vie. Alors, je suis assez tendue. Acheter un camion remorque du foin, c'est quand même cher. Alors, je verrai. C'est possible que je dois aller travailler un peu quelque chose à côté pour avoir assez d'argent pour payer toutes ces factures. Mes vaches, c'est mon centre du monde. C'est ce que j'aime le plus. Sans vaches, je crois pas que je pourrais vivre. C'est tout pour moi. C'est mes meilleurs amis, c'est ma famille, c'est... Et puis c'est mon animal préféré. Wow! Est-ce que tu es belle? Ça, c'est ici. Je me sens là, à la maison où il y a mon troupeau. Et puis, c'est pas vraiment un lieu ou comme ça, autrement. C'est vraiment là où il y a mes vaches, je me sens à la maison. Alors,
C'est utile d'avoir de l'aide, ça c'est sûr. Ça va plus vite s'il y a de l'aide que si je dois faire toute seule. Quand c'est les fois, j'ai tellement d'énergie, je veux transpirer et je veux le mettre dedans. Et puis là, je m'éclate. J'ai besoin de dépasser un peu quelquefois mes limites aussi. Il y a un ami de moi qui vient avec sa copine. Puis lui, il aime bien faire les travaux avec les machines. Alors comme ça, je suis bien heureuse. Il y a aussi Jérémy qui veut bien faire du tracteur. Dès que c'est fait, c'est un énorme soulagement. Ça me fait après un magnifique sentiment. Une grande satisfaction. Jérémy, tu as une position. Oh, la laisse là. Santé. Alors, j'ai dit sur l'organe. Ah, organe. Organe. Ouais. Santé, Michel. Merci. Santé. Santé. Merci, santé. Santé. Elle est bon. Je suis assez solitaire. J'aime bien être seule avec mes animaux. C'est là que je me sens le mieux. Mes vaches, c'est des grises rétiques. Ils viennent d'origine du grison. Et puis, ils ont quasiment disparu. On n'avait plus du tout qui restait en Suisse, en fait. Ils ont survécu seulement en Tyrol. Et puis, on a importé nouveau les premiers il y a 30 ans environ, pour sauver ces traces originales suisses, quand même.
c'est la race que moi je trouve le mieux, c'est si c'est pas exagérément pour la production de la viande ou de lait. C'est comme autrefois, les vaches qu'on avait, c'est pour les deux. Le veau, il faut quand même que ça donne aussi un peu de la viande. Et puis la vache, il faut qu'elle donne du lait. Je trouve que c'est ça, une vraie vache, saine et naturelle. Et puis si on laisse disparaître quelque chose comme ça, qui était créé par nos ancêtres pendant des générations, je trouve que c'est très dommage. Je les trouve très belles et puis j'aime beaucoup leur caractère. Elles ont beaucoup de tempérament, très têtues. Mais adorable. J'aime bien chanter avec les autres gens. Pour moi, le yodel, c'est tout ce qu'on vit ici, notre vie qu'on a, et puis la nature qui est ici. Si on transforme tout ça en musique, ça sort en yodel. C'est la transformation en musique, ce qu'on vit et puis où on vit. Et puis de chanter ça ensemble avec les autres gens qui ont le même genre de vie, oui, ça, c'est quelque chose de très beau. T'as les flûtes. Ça me perturbe. Ça te perturbe. Ouais. Autant je me donne la peine, hein. Ça donne bien, mais je suis perdue. Mais... T'es perturbée? Ouais. Ok, bah, suivant. Suivant, ouais. J'utilise souvent ce qui pousse comme ça sur mes pâturages dans la forêt. Il y a beaucoup de choses qui poussent déjà sans qu'on doit s'en occuper. Autant en profiter. Ça me fait plaisir aussi de les cueillir, savoir où c'est qu'il y a quoi qui pousse, tout connaître.
Déjà quand j'étais enfant, j'ai étudié les plantes. Femelles, je peux quasiment tous les vendre pour l'élevage. Puis j'en ai souvent même un taureau par année, le plus beau que j'arrive à vendre pour un taureau d'élevage. Alors ça fait quand même beaucoup plus plaisir si on arrive à les vendre pour l'élevage que s'il faut les amener à l'abattoir. Les premières fois que j'ai amené un animal à la boucherie, après que je suis rentrée, j'ai vraiment pensé là, voilà, je m'arrête, ça, c'est pas un truc pour moi, j'arrive pas. Ça, c'est vraiment trop stupide. Ça fait trop mal, je fais plus ça. Mais quelques jours après, on se souvient de tous ces magnifiques et beaux jours et beaux moments qu'on avait avec l'animal. Et puis, c'est quand même, j'ai une envie tellement forte de vivre cette vie. C'est beaucoup plus fort que les douleurs que ça fait. Et puis aussi, je me dis que c'est comme ça la vie. Je peux pas le changer. On se nourrit des plantes et puis des animaux. Mais de temps en temps, je mange un petit peu de ce qui est de mes animaux. Ouais. Ils me donnent leur vie. Alors quelquefois, presque pour honorer ça, si quelquefois j'ai de la visite et je fais de la viande, je mange un peu aussi. S'il y a un petit veau qui naît, il y a les larmes qui me coulent de joie et puis du bonheur. Et puis si je peux amener un veau à la boucherie, j'ai mes larmes qui coulent parce que je suis triste. Alors c'est assez intensif. En tout cas pour moi, je suis assez sentimentale avec les animaux. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'être avec les vaches. Je ne suis jamais fatiguée de les regarder. Et puis ça me fait toujours penser que j'ai quand même une vie absolument magnifique. Ça me réjouit à chaque fois. C'est le bonheur. Le bonheur.